Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Donc aujourd'hui, review Lego, donc avec un set Lego Star Wars épisode 7, donc enfin sorti, voilà, enfin je les ai enfin trouvés. Et puis donc on attendait ce moment avec impatience, donc les voilà. Donc j'en ai acheté 3, donc ceux qui m'ont sur Facebook, ils savent lesquels c'est. Bon, je le dirai pas sur la vidéo pour vous laisser la surprise des 3. Donc on va attaquer donc le premier set avec le First Order Snow Speeder. Donc voilà. On va voir donc qu'il y a 3 figurines dedans. Donc un officier, donc un Snow Trooper officier. Et puis 2 soldats, Snow Trooper. Hop. Derrière, on peut voir un peu les possibilités du set. Donc on voit des canons. Sur le côté, on voit qu'on peut mettre des caisses dedans avec des munitions, puis le canon qui se lève ici. Voilà. Donc on peut dire déjà que la boîte elle est sympa. Une belle boîte. Pour le moment, ça y est. J'aime bien, c'est le logo d'épisode 7. Je trouve il rend bien. Donc on va tout de suite l'ouvrir pour regarder ce qu'on a à l'intérieur. Ouvrir doucement pour éviter les casses. Alors, un sachet de 4, une petite planche d'autocollant, un numéro 3, et voilà. On va refermer la boîte. En les ouvrant proprement, ça peut laisser la boîte fermée derrière, ça fait pas mal. Donc le petit livret, donc assez épais. Donc le début du montage en premier. Voilà. Et donc à la fin, un petit récapitulatif des 7. Donc avec les 7 présents. Enfin sortis pour le moment. Donc voilà. Derrière, on voit toutes les figurines qu'il y a dans les 7, hein, je pense. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Une jolie page avec du sable en fond, c'est sympa. Donc avec tous les persos qu'il y aura dans les 7. Puis là, c'est les différents fonctionnements du vaisseau. Puis le récapitulatif des pièces. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc on passe en mode accéléré pour le montage et puis on se retrouve après pour mon avis. On se retrouve donc montage terminé.
Donc je vais vous faire voir un petit peu donc les possibilités. Donc, hop. Donc ici les molettes, hop, qui sont ici. Donc, on tourne ces molettes là, c'est pour tirer donc ce canon là, et cette molette qui est là, c'est pour tirer bah, l'autre côté. Hein. Celle-là, c'est pour celui-là. Voilà. Si j'en ai tombé, je la remettrai. Donc au niveau du canon devant, hop. Au niveau du canon, donc il est sur sur un pivot, donc on peut le reculer, le rentrer. Donc ça c'est pas mal. Et il y a un petit lance-projectile ici. Ensuite ici, ben là c'est tout. Hein. Il semble qu'il y a que ça. Donc au niveau, donc on peut ouvrir. Hop. Mettre en face. Je vais peut-être dézoomer un peu. C'est là. C'est un peu chiant. Donc ici ça s'ouvre. Voilà comme ça. Après les sièges ici bougent, donc on peut les rabattre. Bon, y a pas trop d'intérêt, mais voilà. Ensuite, je vais virer la figurine pour vous faire voir donc le canon avec le pivot qu'on peut mettre comme ça. Voilà, donc ça bouge. Donc il pivote pas sur les côtés, ça c'est dommage. Donc voilà, les caisses de munitions sont là-dedans. Là, il y a un petit peu de munitions ici, à l'intérieur. Et puis voilà quoi, donc l'autre côté pareil. Ça, les molettes pour tirer, j'ai rien oublié, je crois pas. Je vérifie derrière la boîte, au cas où. Donc oui, bah, les caisses sortir, hein, ça vous le savez. Je vais vous faire voir le dessous, parce que bah, après, pendant ce que je vais tourner, ça va pas se voir. Donc les petites roulettes qui lui permettent de rouler. Donc ça c'est bien pensé, et elles sont discrètes, elles se voient pas tant que ça. Donc ça c'est pas mal. Ici vous avez les rangements pour mettre des fusils. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc je vais remettre ça en place. En gros quoi. Hop. Donc, ouais. Seul truc qui est dommage, c'est qu'au niveau des assises, c'est lisse, donc ben, le perso il est juste posé comme ça. Donc si on bouge un peu, au revoir. Donc il y a moyen de le mettre devant. Ah ben non, il y a les tétons devant, je dis des conneries. Oui tiens, je l'ai mis trop en arrière. Donc voilà. Hop. Donc au niveau des pièces en rab, merde, j'ai tombé. Bien à fond. Donc ils ont été généreux. Hop. Donc toujours de la petite pièce, hein, c'est jamais des grosses pièces hein, qui sont en rab. Alors non, quand il y a une grosse pièce en rab, c'est qu'on oublie de la mettre. Hop, un petit zoom. Pour me rapprocher. Voilà. Donc mon avis sur ce set, ben, franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc il reste assez simple, mais dans la conception, il est agréable à monter. Niveau taille, il reste pas mal. Donc le prix, celui-là, c'est 54€. Donc c'est vrai, niveau tarif, il est quand même... Il est assez cher. Hein. Pour un vaisseau de cette taille-là, 54€. Bon. Il y a beaucoup de petites pièces à monter. Beaucoup, énormément même, de petites pièces à monter. Sinon les persos ils sont terribles, hein, que ce soit les soldats ou le commandant, hein, ils sont terribles. Les petites capes c'est en plastique, donc au niveau je vais vous faire voir, vous le verrez sur le quand je tourne aussi autour, mais au niveau des capes c'est du pas du plastique, c'est de merde, du tissu. Pareil au niveau de son épaule. Donc voilà, l'arme du commandant est pas mal, elle reste assez simple mais bien faite. Les casques sont terribles, hein. Moi j'adore, franchement les persos sont pas mal. Non, un bon petit set, hein. Ça me envie de découvrir les autres assez rapidement que j'ai acheté. Donc les autres je sais pas quand je les tournerai, sur ces vidéos là bah, sortiront, enfin je pense qu'elles sortiront le lundi hein, comme d'habitude. Enfin bon, j'en sortirai une par semaine
toutes, je sais pas, je verrai. Soit d'affilée, soit une par semaine. J'ai peut-être arrêté de les faire une par semaine. J'ai peut-être, dès que j'achète des sets, vous les sortir dès que j'ai fait la vidéo, comme ça. Mais bon, j'aimais bien le principe d'avoir une vidéo par semaine. Ça vous permettait de savoir que le lundi il y avait une vidéo Lego. Donc, bon. Dites-moi si. Enfin, ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vous sorte les vidéos au fur et à mesure que je les tourne ou que je vous en sorte une par semaine pour en avoir une par semaine en fait. Voilà. Donc pour les Lego, hein, je parle. Les Mythlos, je les sors dès que je reçois une, hop, je la monte. Enfin, quand j'ai le temps, je la monte et puis je sors la vidéo. Donc voilà. Bon, en tout cas, très bon set. Un peu cher pour moi. Mais non, c'est un très bon set. Il a de la gueule. Voilà. Mais sinon, ouais, juste le prix. Voilà, le petit bémol, c'est le prix. On va dire, je trouve ça un peu cher pour ce set-là. Pour moi, il est 10 euros trop cher. Après, il va peut-être baisser avec Noël ou quoi, mais ouais, il est un peu chérou pour moi. Là. Mais sinon, bon, ça reste un bon set. Il y a pas mal de possibilités et non, franchement, pas mal. Hormis le prix, tout va bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut !